C'est bon ça. Et si ça c'est bon. Que faire quand mon ex me dit j'ai besoin de temps? Et nous avons un invité surprise aujourd'hui qui m'a dit je ne veux surtout pas passer à l'antenne. Que faire quand mon ex me dit j'ai besoin de temps? On va voir, je vous présente Nicolas. Qui travaille ici aujourd'hui et qui est un ami de longue date. Et la règle essentielle quand quelqu'un te dit qu'il a besoin de temps, déjà c'est de respecter son envie. C'est attendre. C'est attendre, c'est se dire que si a priori il a besoin de temps, c'est qu'il y a une bonne raison. Quoi. Et si jamais dans ton couple, si jamais tu n'étais déjà pas trop à l'écoute, c'est super dur à dire. Si dans ton couple tu n'étais pas déjà assez à l'écoute, c'est que tu faisais déjà pas ce qu'il te demandait de faire parce que tu étais dans autre chose, etc. Pour une fois, dis-toi qu'il faut l'écouter. Et s'il te dit j'ai besoin de temps, il me faut de la patience, etc. C'est qu'il faut que tu attendes, que tu respectes son choix. Derrière, il y a deux possibilités. C'est soit il attend parce qu'il est en train de s'en taper une autre. Voilà, ce qui est possible. Ou alors c'est simplement parce que, alors ça c'est la version qu'on se fait toujours. On se dit il est forcément en train d'aller avec quelqu'un d'autre, etc. Mais en vrai, après une rupture amoureuse, si jamais tu te sens toi pas forcément très bien parce que tu as l'impression que tout ton monde s'écroule, c'est probablement la même chose pour ton ex en fait. C'est tu perds tes repères, tu sais plus où t'en es, tu sais plus de ce qui se passe, tes amis, est-ce qu'il faut pleurer, être heureux, etc. C'est super compliqué. Donc généralement, on attend et on revient à la charge un peu plus tard jusqu'à ce que l'ex arrête tout simplement de dire laisse-moi un peu de temps. C'est la vidéo la plus simple de la chaîne, je pense. Il y a pas plus bête. Si ton ex te dit j'ai besoin de temps, c'est qu'en fait c'est vrai. C'est-à-dire crois-le. Mais oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'il revienne? Eh bien, on travaille sur soi, on réfléchit, on se pose les questions pourquoi est-ce qu'on n'est plus avec. Quand elle revient, sur quoi, qu'est-ce que je vais changer, quoi. On coupera ça au montage. En attendant, balade-toi, Nicolas a raison, on va te balader. Réfléchis, sors, vois des gens le plus possible. Le cerveau, quand il n'est pas content, quand il est triste de réfléchir dans sa tête à tous ses problèmes, il a besoin de toucher du réel, du concret, de se sortir. Et si tu te sens comme Bridget Jones, avec l'envie de bouffer des glaces et boire du vin dans ta télé, ben sors-toi de tout ça. Tout ce qu'on lui a proposé, à chaque fois qu'on lui a proposé un truc, il a dit oui. Quand ses collègues de bureau l'ont dit on sort, machin, il a dit oui, on y va. Quand ils ont dit viens, on va jusqu'au bout de la nuit, il a dit oui à tout pendant un mois. C'est peut-être le moment pour toi de dire un peu plus oui autour de toi et de sortir de ton terrier. C'est vrai. Sur ce, si jamais tu te demandes qui est Nicolas voisin, va simplement le taper dans Google et on te fait des gros bisous. Abonne-toi à la chaîne, c'est le moment de dire oui aussi. Oui, je m'abonne à la chaîne, tu mets un pouce et tu cliques en dessous. Si tu veux voir d'autres vidéos avec Nicolas qui est gêné à l'antenne, n'hésite pas, tu mets aussi un pouce et tu l'indiques juste en dessous des commentaires. Ciao. Merci.